l'Office de tourisme de Gassin vous propose de découvrir la rue de la Tasco. La rue de la Tasco, c'est la rue la plus ancienne du village. Elle tire son nom du nom provençal Tasco, qu'on pourrait traduire en français la taxe. Ici, vous avez une de ces maisons quasiment rurales, avec une petite basse-cour ici au rez-de-chaussée. Au fond se trouvait une étable dans laquelle on pouvait mettre des petits animaux comme un mouton ou un cochon. Et à l'étage, donc, avec cet escalier, vous voyez, encore très ancien, une pièce qui était à la fois la cuisine, parce que s'y trouvait la cheminée, la chambre et la salle à manger. Au fur et à mesure du temps, les constructions se sont agrémentées, elles ont profité donc des avancées de la modernité, mais globalement, la rue a conservé son aspect original. Vous avez donc ici environ 2 mètres de large. On peut imaginer juste des charrettes qui pouvaient traverser cette petite rue. Ici, une autre petite courette calquée sur le modèle de la première que l'on vient de vous présenter. Quand on continue donc ici, on va se rapprocher de la porte des Sarrasins pour vous situer aussi un petit peu. Et donc par le dernier porche tout au fond, on se retrouve donc face à un côté de l'église. Par contre, sur le côté droit, vous avez un petit passage secret qu'on appelle le passage du guet et qui servait donc vraiment aux guetteurs pour se rendre à la tour de guet qui est maintenant le clocher du village. À bientôt pour de nouvelles découvertes sur Gassin.